Alors, si je suis devant vous ce soir, c'est parce que j'ai un problème avec la démocratie. En fait, c'est pas tout à fait ça. On a tous un problème avec la démocratie. Alors, en fait, c'est pas la notion de démocratie qui pose problème. C'est notre démocratie et comment elle fonctionne. Il y a un problème avec le fonctionnement de notre démocratie. Je vais vous parler de ça. On va essayer de trouver ensemble des pistes de solutions. Alors, peut-être on ira jusqu'à imaginer une 6ème République, par exemple. Ça, on le fera peut-être en atelier plus tard. Après les conférences, vous savez, on fait des ateliers. On ira peut-être réécrire la Constitution ensemble dans un atelier. On va essayer de dégager des pistes pour changer les choses, pour améliorer les choses. Et puis, je vais apporter, au milieu de ce sujet un peu grave et sérieux, un peu de poésie à travers... Une deuxième chose qui me passionne, qui est l'astronomie, les sciences et la médiation scientifique. Parce que, à mon sens, si on veut réécrire notre constitution, si on veut changer notre démocratie, il faut savoir regarder loin, et rien de tel pour regarder loin que l'astronomie. Alors, pourquoi je suis devant vous? Alors, c'est un peu délicat. Comment vous dire? Dernièrement, j'ai quelques soucis quand j'explique aux gens quel est mon métier. Alors, la première réaction, souvent, c'est que les gens pensent que je me paie leur tête, déjà. La deuxième réaction, ils pensent que je suis payé 7000 euros. Et la troisième, ils pensent que j'ai un emploi fictif. Vous avez compris, Pénélope nous a pas fait du bien. Je suis collaborateur parlementaire. Et ça fait 5 ans. J'ai pas fait les choses à moitié. Alors évidemment, je travaille. Hein. Si je le vends l'ambiguïté tout de suite, ça fait 5 ans que je travaille. Hein. Quand on vous dit, en ce moment, enfin, les défenseurs d'un certain Fillon vont dire à la télé « mais le travail de parlementaire, c'est intangible ben, », j'aimerais bien. Hein, moi, j'aimerais bien que ce soit intangible. Ou qu'on peut très bien demander à un attaché parlementaire de faire du tricot. Alors oui, on peut lui demander, hein, mais c'est pas vraiment l'objectif. Mais bon, ça se trouve, on lui demandait de faire du tricot à Pénélope, je sais pas. D'ailleurs, c'est pas Pénélope, elle défait pas la... Oui. Bon, je pense que c'est pour ça qu'elle a pensé au tricot. Une de nos revendications syndicales, pour vous dire à quel point on a des revendications syndicales de bas étage, c'est que sur notre fiche de paye, c'était marqué « assistant parlementaire ». Et nous, on a demandé à plus s'appeler « assistant », mais s'appeler « collaborateur ». On a réclamé de devenir des collabos, quand même. Hein. J'ai pas tout à fait compris la revendication, mais bon, je trouvais qu'assistant, ça faisait secrétaire. Du coup, il voulait plus être appelé secrétaire, parce qu'on a tous des bacs plus 5, donc bon.